La journée de l'enfant africain a été célébrée ce jeudi 16 juin 2022 en commémoration des événements de Soweto de 1976. Cette 32e édition a été une occasion pour les États africains de dresser le bilan en matière des violations des droits des enfants de 2013 à nos jours. L'éducation étant un des droits fondamentaux des enfants, fait face ces derniers temps à un défi de taille au Niger, à savoir celui de la déscolarisation. Pourquoi les enfants abandonnent l'école très tôt? Bien qu'ils aient abandonné l'école pour des raisons qui leur sont propres, certains arrivent à reconsidérer leur décision, comme ce jeune qui a décroché en classe de 5e il y a de cela 3 ans et qui regrette déjà son acte. Dans son volte-face, le désormais ancien et peut-être nouvel élève lance un appel à l'endroit des autorités. Dans son combat d'assurer l'avenir des filles et fils du pays, le gouvernement fait de l'éducation sa priorité. Donc, tous les moyens sont bons pour assurer l'éducation des enfants, y compris en luttant contre le décrochage scolaire.